Encore deux derrière. Je lui ai simplement dit qu'il fallait qu'il la prenne en main parce qu'il n'a pas roulé. On a des nouveaux pneus, la conduite est différente, donc voilà. Il va faire 4-5 tours, puis il rentrera pour nous donner son avis, simplement. Les essais se sont bien passés? Oui, ben, on a fait juste des essais rodage au fait, simplement. On a rodé le nouveau moteur, voilà. Donc le chrono, on oublie, et c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant que ça va commencer. Okay. Voilà. Je suppose que vous êtes bien restauré, pas trop lourd non plus, parce que les 500 avec le soleil, ça peut être perturbant. Non, ben on a mis, on a bougé notre boîte de chauffage qu'on a pour les temps froids. Et on a mis des bus d'air à l'avant dans le capot pour refroidir l'habitacle. Voilà. Ok, merci Mika. De rien. Hey, monsieur salut Mika, c'est la foire, une nouvelle. Oh ben écoute, on vient de finir la course 1 en BGDC avec la Baleno. Ça faisait longtemps qu'elle terminait plus quelques courses, plusieurs courses affilées consécutives, terminées au moins la course. On se termine P2. On avait fait PA à Zolder, P2 à Magnicourt, deuxième course demain. La nuit va être longue, sachant que là c'est les qualifs en C1. Donc je participe pour 24 heures et en BGDC demain, ça va être fatigant. La piste peut changer au niveau d'adhérence, justement, comme tu as une course qui va se faire maintenant. Donc tu as des qualifs qui sont d'accord, qui va se mettre sur la piste. Alors je ne pense pas que la piste, le grip a changé énormément. Mais par contre, les conditions vont changer parce que là, il fait très chaud. Quand on va arriver vers la tombée de la nuit avec le soleil, l'air plus frais, etc. Donc aujourd'hui, peut-être pas qu'on verra la différence, mais demain, la nuit, ça va aller plus vite. Parlons maintenant de la CE. Comment ça se passe, les premiers tours de roue d'essai libre, je vais dire, du matin? Alors, écoute, je n'ai pas participé à un essai libre. Je n'ai pas participé à aucune séance d'essai. J'avais fait des réglages à mon atelier avec une nouvelle voiture. J'ai pris le tour de roue, la config est excellente, on est resté sur ce setup-là. On va voir ce que ça donne pendant les 2 heures de qualif. C'est très long une course de 24 heures, c'est une endurance. Donc on va dire que oui, c'est mieux d'être plus devant, mais il y a des stratégies en fonction de la place. Mais je ne sert à rien à chercher un temps absolu, sachant que si on n'est pas régulier, ou si c'est pas les tenues, ou si ça fait souffrir la mécanique. Ça vaut pas grand chose. Une course finie, terminée, c'est une course déjà de gagner. Si tu la termines pas, t'es sûr de pas gagner. Merci Chris. Bonne journée. Dans les pilotes Fun Cup se rencontrent en CE. Ça donne quoi? Ouais, ça donne. On s'est pas encore vu en piste. On s'est vu dans les stands, on s'entend bien donc ça va. On le supportera. On le supportera un week-end de plus, Kevin. Ça donne. Ça donne grosse marre. Ouais, voilà, c'est amusant. Et puis on se retrouve. Les mêmes Corfin Cup avec juste un peu moins de chevaux, mais avec la même voiture aussi, donc... Et la même Niak, la même Harris. C'est vraiment top, c'est cool. La passion, on sent la passion. Voilà, voilà. Tout ce qu'il faut sentir, c'est la passion. C'est vraiment chouette. Kevin, une mise en scène? Ouais, franchement c'est amusant. Ouais, c'est amusant, ça va pas très vite, ça c'est clair. Mais il faut être super fin avec le pilotage, il faut comprendre la voiture. Et pas oublier qu'on n'a pas beaucoup de puissance, donc il faut vraiment rouler en anticipant à chaque fois. Et c'est une super école pour ceux qui veulent débuter. Et c'est une chouette expérience. En rapport avec une Fun Cup, c'est plus un gros kart. Donc là, il faut plus se battre avec la voiture dans le virage. Avec la C1 Non, avec la Fun Cup, ouais, c'est quand même un plus gros moteur, donc on peut se permettre un petit peu plus d'erreurs en piste. Les pneus aussi. Les pneus sont une énorme différence, je trouve. Avec les semi-slick collés au sol, avec la Fun Cup, on doit vraiment la laisser vivre. C'est une grosse différence dans le pilotage.
C'est chouette. On se complète. On se complète. Voilà, on se complète. Super, magnifique. Tristan, ben, ah. Toi, c'est à ton tour maintenant. Ah ouais. À ton tour maintenant. Alors, parce que c'est le grill, on va dire. Dis-moi. Voilà, j'ai regardé, c'est plus ou moins 11e place pour le moment, alors que tu n'as plus roulé sur ce coup et en fin de CA. 11e du général, 2e des CA. C'est avec les deux chevaux. Excusez du peu. Donc voilà, ben, les sensations sont là. Ouais, elles sont là. Honnêtement, on est à 4 dixièmes de Kevin, justement. En ayant fait 3 ou 4 tours lancés. Eux, ils ont roulé le matin au paying practice, nous pas. Qu'on découvre la voiture. Moi, je redécouvre la piste, je la connais. Mais bon, voilà, ça fait un an, donc il faut quand même un peu le temps de se remettre dedans. Là, ça a l'air d'être pas mal du tout. On repartira faire un run en fin de séance. En espérant que le run de fin de séance nous mette... dans la poule. Juste un peu plus haut, c'est vraiment l'objectif. Mais on verra, mais c'est bien parti, pour le moment ça se passe. Alors, j'ai entendu quelque part, par exemple, qu'il y avait des embouteillages sur le ferry Bruxelles-Loin, et là tu es un champion du monde pour les désengorger. Tu vas jouer le même coup ici? Ouais, bah, il y aura un peu moins de monde en piste au restart des safety cars d'office. Il y aura moins de monde que la semaine dernière aux 8h. Donc voilà, mais c'est clair que dès qu'il y a un dépassement à faire ou quelque chose, faut pas hésiter, faut plonger dans les trous et voilà. Tout en restant quand même très correct, c'est 24 heures. Le plus important, c'est d'arriver à l'arrivée et de ne pas faire le fou dans les 12 premières heures ou même pas dans les 23 premières heures, en fait. On va pas m'en montrer la vidéo, tu les avais bien accrochés. Ouais, hein. C'était pas mal, mais on n'a pas eu de touchette, donc... À partir du moment où il n'y a pas de touchette, c'est que c'était conscient. Merci Tristan. Merci Mickaël. Bah voilà.
Thierry, tu vois, au départ d'une interview, on est rien à tout. Hein. Voilà, nouvelle star de cinéma ici. Bon, blague à part, au niveau sportif, comment ça s'est passé la qualif? À la fin, bien, mais il fait chaud. Hein. Putain, les voitures souffrent. Hein. J'ai quand même fait un 9e temps, donc c'est pas mal. Quoi. Un peu de trois roues, là, on a vu. Hein. À la fin, surtout. Vive le chaud, on était là exprès pour ça, justement, tu vois. 9e temps, oui, c'est bien, c'est très... C'est... Voilà, quoi. Maintenant, tu sais, 24 heures, c'est long, c'est une endurance, donc tout peut se passer. Hein. Voilà, quoi. Donc, on, comme disait Canina tantôt, je sais pas si tu partageras son avis, on va pas courir comme des fous après un chrono quand c'est une course de 24 heures. Voilà, quoi. C'est chouette de partir devant, c'est pas cool de partir derrière, parce qu'il faut dépasser beaucoup de monde, alors tu perds du temps, les devants, ils s'arrêtent pas non plus, donc ils prennent de l'écart, donc... Premier, c'est pas besoin, mais un top 10, c'est toujours cool, quoi. Pour rester dans la cadence avec la tête, quoi. Merci Thierry. Pas de problème. Bon, 1 et 2, mais dans quel ordre? Je vais lui laisser dire. Putain. Pour l'autre paye. Kevin, alors quoi? Satisfait de la qualif? Ouais, vraiment, ouais. Ça fait plaisir, hein, même pour le team et tout, c'est sympa. Et bon, maintenant voilà, pour la course, c'est 24 heures, donc... Ouais, la pole ne veut rien dire en soi pour une course d'endurance. Hein. Non, voilà, exactement. Ben maintenant, on sait que la voiture, elle est bien, qu'elle est efficace et ça serait être que top pour la course, quoi. Christophe, l'écart, oui. Est grand ou minime? Non, il y a 2 dixièmes. Il y a 2 dixièmes, on s'est bien battu, c'était marrant. On était sur un... Vas-y, révèle-le. On était sur une belle bagarre, là, en fin de séance. Non, cool. J'ai fait une petite connerie avec la ventilation, mais bon, allez. Et c'était une belle bagarre. Bon, mais bon, ici c'était 2 heures, au meilleur tour, demain c'est 24, de 14h30 à 14h30. Donc, ouais, ça va promettre. On a déjà le duel là. Hein, voilà. Le duel. Ouais, ça va aller, ça va être cool. On s'annonce. Ouais, comment s'est passé ces qualifs? Ça a été des qualifs pour la 14 un petit peu coussi-coussa, la voiture marche vraiment bien. Mais on a eu un petit souci électrique pendant que je roulais. La voiture n'a plus voulu rien savoir, j'ai réussi à la ramener. Et puis voilà, après on a continué. Là ici on a fait le 8e chrono. Maintenant voilà, on sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça quand on voit que la 16 à côté, qui est la sœur jumelle de la 14, est en pole position. Donc voilà, de toute façon 24 heures c'est hyper long. On sait que, vu en plus les températures qu'il fait ce week-end, que ça va être une course à l'élimination. Et d'office, les voitures qu'on a vues ici devant en essai, peut-être que voilà, on ne le souhaite pas, mais elles vont peut-être tomber comme des mouches. On verra. On verra, ouais, ok. Mais on sait très bien, comme toi et moi, on sait que 24 heures c'est long. Déjà la course en elle-même, comme tu viens de dire, ça va s'écrémer. Une stratégie prédéfinie ou alors on voit ça ce soir à tête reposée avec le team? On va voir ça à tête reposée. Là ici, à l'heure où je te parle, on n'en a pas encore parlé. Mais voilà, le plus simple sera de voir comment la course se décante. Parce que voilà, il est clair que si par malheur on devait avoir un souci en début de course, ben là, d'office, on ne se posera pas de questions et il faudra attaquer sans réfléchir pour remonter. Maintenant, voilà, la logique veut que, comme au risque de radoter 24 heures, c'est long, eh bien, il faudra, à mon avis, ménager la voiture, surtout lors des premières heures de course où là, les températures seront les plus chaudes, quitte à voilà, hausser un petit peu le rythme la nuit où là, le moteur respirera mieux. Donc on verra, mais en tout cas, le plus sage serait en tout cas d'en garder un petit peu sous le pied pour éviter de trop fatiguer les voitures, parce que je pense qu'on n'a jamais roulé avec des conditions aussi chaudes pour les voitures, ou en tout cas c'est très très rare. Merci Martin. Le coach là, coach manager, ça va, il a bien parlé J'ai pas entendu. Ah. Alors on a ici le plus jeune manager du monde, et il est chez nous, hein, il est belge, et c'est chez nous en CE. Hein. Ouais. Deux chevaux. Oh, deux chevaux, pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Ça va? Ça va. D'où vient cette passion et vouloir être manager d'équipe? C'est grâce à mon grand-père qui m'a donné cette passion. Depuis tout jeune, on est tombé là-dedans. On parle tout le temps des voitures et ça. Et pilote, non? Non, jamais pilote. Pas trop peur? Non, c'est que j'aime pas être derrière un volant, je préfère être plus derrière. Derrière la console, ouais. Et diriger les courses. Ouais, c'est ça. Magnifique. Merci à toi. Pas de soucis.
Et les gars, comment s'est passé la qualif? Ça va. On a eu du mal à régler la voiture avec les semi-slicks. Mais après, on a mis les jaunes et ça va beaucoup mieux, on trouve. On va discuter de ce qu'on va faire pour la course avec les pneus. Alors, ça donne quoi comme place, Mika? P5. Adorable. Le content. C'est pas... Les qualifs, ça veut rien dire, c'est 24 heures de course. Donc, exactement, c'est ce que disait Canigna. Canigna, en voir les qualifs, il disait on va pas courir comme des fois après une place. Ouais, c'est une course de 24 heures d'endurance, c'est très long, tout peut arriver. Ouais. Donc le tout, c'est pas trop mal se placer. 5e tour d'embuscade. Ouais, c'est super bien. Place idéale. Pas de vibreur, pas de bac, rien, donc on a été prudent. Voilà. On a été prudent et de toute façon c'est long et il fait très chaud dans la voiture. À mon avis, il y aura beaucoup de voitures qui vont avoir des soucis parce que la chaleur va faire des ravages, je pense. Donc 24 heures, on verra l'arrivée. Est-ce qu'on peut avoir une course en trois scénarios, enfin en trois étapes? Donc la première partie, ce sera de jour où là on va plus ou moins laisser un peu s'éliminer les voitures. La nuit, on va donner le dash, on va vraiment pousser sur le champignon, comme on dit. Il fait plus frais, les moteurs prennent plus d'oxygène et ont un meilleur rendement. Et le lendemain matin, évidemment, là, s'il refait comme aujourd'hui, là, c'est encore une course du même scénario de la première partie. Est-ce qu'on pourrait avoir une course comme ça, Mika? Ça pourrait le faire, oui, mais le problème, nous, c'est qu'on est venu avec des 8 pneus slick, enfin, semi-slick, comme on nous avait dit de prendre, ça va pas. Donc, on n'a que 6 roues conventionnelles. Donc on est en train de discuter stratégie et voir comment ça va aller demain, parce que soit on fait le warm-up demain matin et on remet les slicks pour voir ce que ça donne du matin, ou alors on part avec les conventionnels et puis à un moment on sera passé en slick, on n'a pas le choix. Voilà. Il y a eu toute une histoire sur les pneus. Hein. Oui. On va pas y revenir, mais... Non, mais on n'a pas su faire de test, donc on arrive à l'aveugle avec ça et pour nous, je trouve que c'est pas bien. Ils vont très bien, ils collent bien la route. Mais c'est pas fait pour la deux chevaux. Finalement, comme tu n'avais pas trop roulé, t'as fait le rodage aujourd'hui, ça s'est très bien passé, donc ouais. La voiture a bien répondu. La voiture va bien, on n'a rien à dire. La voiture va super bien. Bien préparé. Il y a juste le problème des pneus. C'est ça qui a fait que... Voilà. Et on a déjà fait plus de tours que prévu parce qu'on avait dit on roulait bien, et puis on arrête, et là, elle a roulé quand même plus que prévu. Voilà, voilà. Qui rentre justement la vedette d'un film de promotion justement pour les deux chevaux. C'est on n'en parlait pas assez justement maintenant avec tout ce qui se passe, toute la médiatisation qui est autour de la deux chevaux. C'est un plus pour vous autres, hein. Oui, c'est un plus, mais le problème c'est que tout commence à devenir de plus en plus cher aussi, malheureusement. On en avait parlé à Zolder, ouais. Maintenant c'est les pneus, tu vois. Tu payes un pneu, on va dire 50 balles, 50 euros avant. Maintenant tu vois un conventionnel comme ça, un stick, t'es à 80 euros. Et on nous les a fait acheter parce qu'on pensait qu'on allait être à la ramasse avec ça. Et ici, apparemment, elles vont plus vite avec les conventionnelles. Je pense que c'est équipé. Je pense que pour moi, il fait trop chaud pour rouler avec ces pneus-là. On s'ouvre très vite une fois qu'on attaque. Je pense qu'ils sont pas. C'est beaucoup trop chaud pour cela. Je pense qu'ils iraient mieux la nuit. Donc peut-être voir comme on est en manque de pneus, voir si on ne met pas sur le train avant des pneus comme ça pour la nuit. Peut-être voir pour attaquer la nuit et essayer de faire. Tu peux rouler avec deux jeux de pneus? Ouais. On peut, le problème c'est que les réglages de suspension, c'est pas du tout la même chose. On verra bien demain matin. On va trouver le compromis, quoi. Bon. On va trouver le juste compromis entre les deux. Oui. Et le problème c'est que les dimensions ne sont pas les mêmes. C'est ça qui pose problème pour moi. Le pneu lui-même pourrait être bien si on avait la même dimension qu'on a maintenant. Je vois que tu es en train de te restaurer là, un bon petit catering, là on peut aller faire un petit tour peut-être. Hein, c'est la 4 et la 33 et Et avoir des pilotes qui pilotent bien, mais c'est important, mais avoir des cuisinières qui sont petits soins. Ça c'est la classe, hein, ça. Oui les gars, vous êtes au petit soin. Hein. Putain, j'ai pas ça chez moi. Fait avec amour, hein. En plus.
ça se voit. Bon, c'est pas cuit, mais c'est fait avec amour. L'intention qui compte. Bon appétit, les gars. Ah, tu vois, t'es là, toi. Un petit mot sur la qualif, comment ça s'est passé? Beaucoup de trafic, enfin, on n'est pas tant que ça, mais malheureusement, bon, chaque fois se retrouver dans le bon tour et un qui freine un peu trop tôt, on loupe un peu le freinage. Bon, après, c'est une course de 24 heures, hein, qu'on soit deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est l'endurance qui compte, et voilà, tant que demain, on part directement dans le bon groupe, c'est le principal. Je sais même pas quantième on est, en fait. Je pense qu'on est septième, donc. Mais bon, j'ai vu que les chronos, ça allait. Ouais. Il y a encore un peu à gratter, mais voilà. On va regarder ça pour demain. La chaleur peut être un adversaire redoutable aussi. Pour moi, ça va, j'ai pas trop de souffrance au niveau de la chaleur. Enfin, je pense que mes coéquipiers, eux, ils ont plutôt. Ils ont plus souffrir que moi, je pense. Mais, oui. Pour les voitures, en tout cas, oui. Les pneus, on sait pas encore. C'est une bonne question. Hein. L'année passée, j'étais pas là, malheureusement. Il y a eu une forte pluie. Il y a deux ans, on a aussi commencé sur la pluie. Donc, les conditions vont être un peu différentes par rapport aux années précédentes. Donc, ce sera un peu un jeu de cartes pour tout le monde qui va être distribué pendant la course, à mon avis. Je viens de parler avec Michael Jasson, aussi sur la deux chevaux, justement. Et lui aussi, il dit la même chose, c'est le même truc. Les pneus, on ne sait pas, on est dans un flou total. Point d'interrogation, voilà. On sait plus ou moins combien on pourrait tenir, mais pour la stratégie, c'est important. Ouais, c'est important, exactement. Merci Andy. Rien, au revoir. Manu, la force tranquille. Un petit mot sur la qualif, comment ça s'est passé, bien ou pas bien? C'est pas évident, il fait vraiment chaud, les pneus sont vraiment à la limite, les moteurs ne donnent pas leur pleine puissance. Il faut trouver un bon peloton pour avoir la bonne aspiration et c'est le secret pour aller vite ici. Ça n'a pas été facile, on est un peu loin à mon goût. Mais bon, voilà, on est au milieu de peloton et la course c'est 24 heures, donc il ne faut pas se focaliser sur les qualifs, il faut surtout faire une bonne course. C'est ça quoi, c'est ce que Canigna disait aussi. Ouais. Le temps de la qualif, c'est un peu aléatoire, rédhibitoire. Le tout c'est d'être dans le train et de suivre. C'est ça, pas faire d'erreurs, des bons ravitaillements, et voilà, c'est le secret des 24 heures. Niveau de l'auto, on a vu au matin que tu avais encore un petit souci, que tu travailles, enfin pas spécialement toi, mais qu'on travaille encore un peu dessus. Ouais, c'est ça. C'est réglé, c'est réparé. On a changé la boîte de vitesse, certainement des restants du crash de Francorchamps. C'est de la boîte de vitesse qui a eu l'accident, et elle a certainement pris un coup à ce moment-là, donc à la première séance d'essai qualif, elle a rendu l'âme. De manière inexpliquée, mais voilà. Vaut mieux que ce soit là qu'en course. C'est mieux avant, ça c'est clair. Voilà, on a mécaniqué toute la journée, mais les qualifs se sont bien passés. C'est déjà ça. C'est rassurant. On croise les doigts pour demain. Merci, nous aussi. Merci Manu. À bientôt.